Septembre 2037. L'été caniculaire bat encore son plein, franchissant facilement en ce mois la barre des 45 degrés à l'ombre. La planète ayant subi de nombreux cataclysmes durant la première et deuxième décennie du troisième millénaire, la nature a un peu partout repris ses droits, dévorant ce qui fut la civilisation humaine. Les insectes, eux, se sont adaptés, ont grossi, et leur nombre s'est facilement multiplié par 10. La population humaine était estimée, en l'an 2000, à 6 milliards. Aujourd'hui, elle est estimée à peine quelques millions. Tout système de communication étant rompu entre les humains des différentes régions, les hommes s'organisent donc en communautés, sectes et tribus, plus ou moins dangereuses, afin de subsister. Entre catastrophes naturelles, accidents, maladies et attaques animales, aujourd'hui, la première préoccupation humaine est la survie. Journal de bord vidéo. Ah, je suis poilé. Putain, j'ai vieilli. Tous ces poils, c'est horrible. Nous avons découvert cette vieille base militaire il y a deux jours. Aucun problème, si ce n'est que y a des rumeurs faisaient état d'une veuve noire géante. Mais heureusement, notre entomologiste Michel a étudié la Michael? Zone et nous assure le contraire. Tout à fait, Théo. Il n'y a aucune trace d'une quelconque veuve noire géante. Par contre, l'absence de vermine dans cette région reste un vrai mystère. Le conseil de notre communauté a donc décidé de nous installer ici. Ça fait 5 jours aujourd'hui que nous sommes installés. Toujours pas de problème. Si ce n'est les difficultés que nous avons pour trouver de la nourriture. C'est pour ça que nous allons faire un potager avec les quelques graines qui nous restent. Damn, it's hot. Hello. Le sol est fertile et le coin plutôt tranquille. Mais hier, Pablo et Marie ont disparu. Enfin, ils sont pas rentrés malgré le couvre-feu. Ils ont dû se paumer, c'est sûr. Mais bon. En plus, on se fait chier ici. Le conseil soupçonne le groupe d'étrangers qu'on a hébergé la nuit dernière. C'est vrai qu'ils m'ont semblé un peu bizarres. Flèche et Théo dirigent le groupe de recherche. L'équipe de recherche. Sous ma direction, on n'a rien donné. Mais l'équipe de Mika a disparu. Putain, je sais plus quoi faire. On a juste retrouvé des morceaux. J'ai vivement recommandé au conseil de partir, mais putain, ils m'écoutent pas. Partir d'ici, c'est seul. Pour moi encore plus dangereux que de rester. Oh putain, je sais plus quoi faire, je sais plus quoi faire. T'es
Théo a craqué tout à l'heure. C'est normal, ça peut arriver même au meilleur. Par mesure de sécurité, j'ai instauré des tours de garde renforcés cette nuit. Mais nous ne céderons pas à la panique. On ne quittera cette base que si les événements se dégradent. Ce type d'installation est trop rare pour être abandonné si facilement. Non! 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 Mais qu'est-ce que tu fais? Non! J'arrive pas! J'arrive pas! J'arrive pas! Il faut pas rester là, Flèche! Oh non, non! Faut pas rester là! Tu sais, Flèche, je crois que je t'aime bien en fait, putain. Mère, votre repas est prêt.